c'est brutal. C'est naturel, hein, de toute façon. Et ouais, t'as vu, comme ça c'est dit, en début de vidéo. Il est naturel. En plus, il a été sympa. Allez, je te montre un truc, que je suis passé à côté du centre, sérieusement. Je me suis arrêté sur la photo, je suis passé, j'ai traversé, je suis revenu. Parce que ça m'a interpellé, je me suis demandé quoi, qu'est-ce que le truc. Alors, le truc, je te le débute, après tu vas voir, il fait bien la présentation. Ça s'appelle comment? Laserfix. Laserfix. En fait, c'est une poignée, regarde, comme ça, que tu mets sur tes perceuses et ça t'aide à percer droit. Ça peut paraître anodin, mais en fait, ça peut te servir dans, je sais pas moi, toi, tu poses tes étagères chez toi. Tu as besoin que tu sois pas de travers, parce que selon maintenant, on parle des étagères où on se fixe contre le mur et on a des. C'est pas apparent. On a besoin que ça soit parfaitement plan. Donc, du coup, la démonstration, écoute, il va me la faire parce que il me l'a fait très bien. Pour montrer les lasers qui sont dedans et le niveau qui est à bulle, la description de la machine. Vas-y, le niveau à bulle, comment ça fonctionne, fais tout comme tout à l'heure. On prend une poignée laser fixe, on la fixe sur la poignée, sur le mandrin, ouais, de la perceuse, grâce à... Adaptable du coup à n'importe quel mandrin. C'est une bride universelle. Ok. On valide sa position. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on se... J'ai un appui. Vas-y, je filme par derrière. On valide la position en mettant la bulle, ouais, dans son logement. Je valide ma position, ma LED verte s'allume. Ouais. Donc je suis perpendiculaire au support et parallèle au sol. Okay. Je commence mon perçage. Si je dévide ma position, ça passe une au LED verte dans le, pour me corriger, je me remets sur la LED verte. Quelle que soit la position, elle va me corriger en fait. Ok, donc du coup, tu es sûr de percer parfaitement droit de part en part. De part en part. Pas de dévie en cours de route. Exactement. Même sur les grosses distances, c'est là où ça part. Absolument. Là, tu es sûr de bien rester nickel. Absolument. Une fois que j'ai percé mon trou, si j'ai une étagère, des meubles hauts, un miroir, etc. Une fois que j'ai percé mon trou, j'ai deux points de laser, deux pointeurs, ouais, qui sont dans l'axe du forêt. Donc, je n'ai plus qu'à prendre, tracer mes deux points. Je trace une ligne et je suis parfaitement à la longueur. Exactement. Donc en fait, pour une petite étagère ou une grande étagère, tu as deux points, en fait, tu as trois points. Le perçage et les deux points de laser. Deux points de laser. Du coup, ça permettrait, c'est un minimum à mettre. Absolument. Au droit. Absolument. Les pointeurs laser ne sont que des pointeurs, ils ne calculent pas la distance. Et là, limite, je pensais, en fait, ta poignée, si tu divises, tu la retournes, ça tu peux te reprendre sur les deux points de laser que tu as fait avant. Du coup, tu t'es décalé de l'autre côté avec la poignée de l'autre côté et tu te reprends sur les points de laser, tu es sûr, sans avoir tracé, d'avoir tracé au niveau. Absolument. Ah, tu n'avais pas pensé à ça. Hein. Non. T'es ingénieux. Bah oui, je sais. Mais c'est en ayant des avis comme ça qu'on trouve des applications. Voilà. J'ai beaucoup de gens qui m'ont donné des applications faire sur lesquelles une meilleure démonstration encore après. Quelque chose qui est intéressant, c'est quand on perce de part en part une cloison avec une partie creuse, que ce soit un tube, ouais, un carré métallique ou un mur de part en part, on a souvent tendance à, dès qu'on fait le premier trou, on perce droit, on s'applique. Dès qu'on passe dans la partie creuse, on bouge. Pour retrouver à l'opposé le trou initial, c'est impossible ou ouais, très difficile. Très difficile. Ou avoir une grande chance. Ouais. Là, on se replace à l'intérieur. On replace ah oui, le on forêt. Se replace, et du coup, il nous dit exactement où on est. On retrouve la position initiale et on perce part en part. Ok. À l'identique. Et là, on peut mettre une cage, un boulon, ouais, impeccable. Autre. Après, les piles, il y a des piles dedans, c'est. Alors, c'est comment? On a deux piles, ouais, d'un volt 5. Ouais. Et du qui coup, ont une autonomie, on va dire 200-300 heures. Hein. Ouais. La poignée s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes. Donc on n'a pas besoin de. Ah oui, de ça si on l'a oublié, on va pas perdre. Et tu dis pour enregistrer la position, en fait, il y a juste alors, à appuyer une fois sur le bouton et ça enregistre la position. Il suffit de valider la position en se mettant dans n'importe quelle position. Ça serait un plan incliné, ça serait de la même chose. Ok, et ça enregistré. En fait, c'est le plus simple du monde, quoi. Voilà. Maintenant, on va faire. Et dessus, la bulle, c'est ce qui permet de. Se stabiliser pour aider au niveau d'origine. Si on est en extérieur, par exemple, pour poser un store. Des lampes, etc. On ne va pas avoir forcément le sol de niveau ou un faîtage, un plafond qui peut nous aider à prendre la mesure. Ouais. Donc on va se servir, ouais, de la bulle pour avoir la position idéale, c'est-à-dire par gravité, ouais, le niveau parfait, ouais, mais on n'a pas besoin de reprendre la mesure. Donc on va se déplacer. Et on est à la mesure. Eh oui, parce qu'en fait, on l'a positionné une fois, on avance sur le côté, et du coup, on sera au même niveau que le point d'avant, parce qu'on l'avait stabilisé sur une position. Absolument. Et okay, comme on a les deux. On gagne du temps. Hein. Absolument. On n'a pas besoin de répéter la mesure du sol, okay, au plafond pour retrouver notre mesure initiale. Et comme je te disais tout à l'heure, là, ça se détache en alors, deux. Et pour si jamais j'ai un mandrin qui est plus gros pour le passage, voilà, c'est vendu dans un kit. Voilà, c'est livré dans le packaging avec
une bride universelle qui fait de base 45 de diamètre. Donc ça glisse, avec un petit clips. On change la bride pour les gros perfos qui est livré avec. Voilà. Donc on dévisse, on la met et on la repositionne dessus. Ok. On clipse. Ok. Et si jamais, fais-moi la démo comme tout à l'heure, si jamais elle vient à tomber. Ah ben là, c'est pour le plaisir d'avoir peur, tu vois, parce qu'au prix de la bécane, non, en fait, je rigole, c'est pas cher du tout. C'est une matière en PA, ce qu'on appelle polyamide, 6, avec 30% de fibres dedans, donc elle peut tomber. Mon Dieu ! Ok, nos cassés, et en plus le laser, parce qu'il y a une carte électronique dedans et tout ça. Voilà. Ça se rallume. Les lasers sont là, ils fonctionnent. Hein. Ils fonctionnent les deux. Okay. La partie électronique fonctionne également, la bulle est là. Il y a quelque chose qui est intéressant qu'on va montrer peut-être ici, c'est si tu perces d'un côté, je perce de part en part. Donc, je me mets ici, je valide ma position, je perce, c'est un tube, j'ai une partie creuse à l'intérieur. Donc dès que je vais percer la première partie, je vais bouger pour retrouver ce que je disais, le point initial tout à l'heure. J'ai qu'à retrouver ma position initiale. Là où ça glisse. Exactement, ça bouge toujours. Je ressors de l'autre côté de part en part. Donc là, une tige filetée, un boulon. Ok, j'ai fait un marquage, ça a disparu. C'est pas grave, je l'ai enregistré, j'ai pas besoin de rechercher à tracer. De toute façon, à l'intérieur, une fois que tu as percé, c'est difficile de retrouver ton point opposé. Là, il ressortira de part en part opposé, dans un mur de la même façon. Et du coup, ça, si je veux l'acheter, en bout du bout, c'est 39,90€ actuellement. Actuellement, on le fait un prix de lancement, 39,90€. Ok, et les gars, ils le trouvent sur le site laserfix.fr. Et bientôt. Tu livres partout. Partout en Europe. Partout en Europe, ok. Bientôt, il sera dans des boutiques de bricolage. On a signé avec Bricomarché aujourd'hui. Ok. Et je pense qu'on a d'autres grandes enseignes qui vont venir. Là, qui vont être demandeurs, parce que c'est vraiment un outil, un objet très simple d'utilisation et qui simplifie le perçage pour le commun des mortels. Je faisais un coucou à mon abonné qui travaille pour Bricomarché. Bah écoutez... c'est pour ça. Non, mais il est dans la vidéo. Je lui passe le bonjour. Voilà. Voilà. Ok. Bon, bah c'est écoute, moi ça m'a plu, c'est un petit gadget sympa. Et on n'a pas le droit de le dire, mais c'est sur une petite distance. Tu le poses sur un truc à niveau. Mais en fait, comme ça, un point de laser, tu le poses d'un côté, tu tournes, et ça te fait un point de laser. Donc, tu ne cherches pas à faire un plafond avec, mais sur une petite distance, ça fait un point de laser niveau. Donc ça peut être pratique, d'accord. Ça, c'est l'astuce personnelle. Ok. Ok. C'est vendu. Laserfix.fr. Je prends en gros. Il y a une carte, comme ça je. Bien sûr. Je regarde, je mets face caméra. Et comme ça, un flash code, tu peux flasher. Ah ouais, un flash code. Ouais, mais le flash code, moi, ça va pas être assez gros. Mais bon, laserfix.fr. En tout cas, tu as vu le nom. Hop. C'est bon? T'as les références? C'est facile. Je mettrai de toute façon un lien du site web en dessous de la vidéo. Comme ça sera no problemo. Allez les kids, on dit à tout de suite. Et on va lui faire dire à tout de suite. À tout de suite. Voilà. Allez, ciao. Merci.